Alors j'étais tranquille en train de scroller, tu vois, sur mon Instagram, je tombe sur un post de Bouscapé, ça fait toujours plaisir. Bouscapé, ça a commencé à la base à Évry, les gars sont partis de zéro, ils ont monté le média, on va faire le média numéro 1 quand même, sur le rap et même l'un des médias les plus gros en France. Je me dis, ça fait plaisir, je regarde, je commence à avoir un truc sur Mendy. Alors, je vais te lire l'article et tu comprendras. L'article est écrit « La relaxe de Mendy n'est pas votre victoire ». Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends pas trop. Le titre même, déjà, tu te dis, mais je suis pas sur le bon média, est-ce qu'il y a un problème? Pourquoi? Tu sens déjà que la headline, c'est pas bon déjà. Il y a un truc qui va pas. Et je me suis dit, ah, les gars, ils veulent revoir leur image. J'ai bien compris le truc. Hein. Ils se disent, bon, on va essayer de retravailler notre image. Il faut que les gens, ils arrêtent de nous voir comme des sauvages. Ouais, je suis d'accord, mais bon, quand même, là, je vais te lire l'article. Alors, la relaxe de Mendy n'est pas votre victoire. Les messages de soutien écrits majoritairement par des hommes. Bon, déjà, ça comprend. Tout de suite, on comprend pas. Pour qu'on parle des hommes là, d'un coup. Là, tout de suite, tu sens qu'il y a un truc comme s'il y a un combat. Je sais pas, non, ok. Donc, écrit majoritairement par des hommes, se sont accumulés dans le milieu du football comme dans le rap. Des soutiens qui sonnent comme des victoires contre les femmes. J'ai pas trop compris pourquoi les femmes, c'est pas bon. Des défaites pour la difficile libération de la parole des victimes. Mais on ne peut pas critiquer la justice en semaine A et la célébrer en semaine B. Je vois pas pourquoi déjà, voilà. Et puis en plus, si jamais c'est pas une victoire contre les femmes, je vois pas pourquoi ça serait une défaite, comme un des commentaires avait dit. Ensuite, elle continue. La justice souvent critiquée à juste titre. On ne compte plus les phases dans le rap qui dénoncent les décisions de justice jugées racistes ou injustes. Socialement à cause d'avocats commis d'office. Cette justice qui acquitte des policiers, des cols blancs, des pré-pédocriminels et qui punit plus sévèrement les hommes des quartiers populaires. Mais souvent, lorsqu'il s'agit de dénoncer la justice sexiste qui décriminalise la parole des femmes et qui acquitte par manque de preuves ou par prescription les hommes à l'origine d'agressions sexuelles et de viols, beaucoup moins de voix s'émeuvent pour la victime présumée. Au contraire, en France, on estime que seulement 1% des viols sont condamnés par la justice. De l'annonce de la relaxe de Benjamin Mendy, une nouvelle chasse aux sorcières s'est ouverte contre les fausses victimes. Mais qui sont les vraies victimes? Celles qui ne désignent pas vos amis? Celles avec qui vous travaillez? Vos idoles comme coupables? Celles qui ne sont pas victimes d'un homme riche? Car là, c'est pour l'argent. Quand est-ce que les hommes les défendent publiquement? Ce n'est jamais la bonne victime, jamais la vraie. Bon, etc., etc., etc. Je te laisserai aller voir si jamais tu veux voir l'ensemble de l'article. Et donc, du coup, j'ai fait un petit commentaire parce que là, ça m'a un petit peu démangé. J'ai fait un petit commentaire, j'ai pas pu m'en empêcher. Et j'ai écrit, en fait, tu aurais aimé qu'il soit condamné pour que... Parce qu'à la fin, ça dit... Ah ouais, parce qu'à la fin, elle dit, ouais, j'ai comme un goût amer, un truc comme ça. Et après, j'ai écrit, donc, en fait, tu aurais aimé qu'il soit condamné pour quelque chose qu'il n'a pas fait pour te sentir mieux et sortez des chiffres sourcés avant de faire la propagande parce que genre elle avait écrit elle a sorti 1% en France on estime que seulement 1% des viols condamnés en France par la justice. J'ai dit ouais mais faut sourcer ça d'où ça sort tu vois. Et après j'ai dit entre Johnny Depp, Neymar, Ronaldo, Tarek, Chris Brown, en plus j'ai sorti des trucs qui me venaient à l'esprit et tous les MeToo où les gens étaient faussement accusés sans aucune répercussion, ça veut dire qu'aujourd'hui une femme peut mentir normalement, normal sur un gars et elle repart. On lui dit, ah, nice shot, t'as essayé. Bon, ça n'a pas fonctionné. Bon, c'est bon, tu peux retourner chez toi. Il n'y a rien. Il n'y a aucune conséquence aujourd'hui. Okay? Donc, c'est ça qu'on dénonce en fait. C'est que quand quelqu'un ment sur quelqu'un qui fait des fausses accusations, il faut qu'il y ait des conséquences. Sinon, les gens vont continuer à mentir. Et donc, du coup, ça ne joue pas ni pour les vraies victimes et ni pour les gens qui se font faussement accusés. Et quand il y a une justice réelle, ok, la personne, elle ment, et ben, il faut faire de façon à qu'elle arrête de mentir. Comme ça, il y aura plus de gens qui vont prendre au sérieux. Parce que là, ça fait que du mal. Toutes les femmes qui mentent comme ça constamment pour l'appât du gain. Parce que jamais c'est pour les pauvres, hein, ça. Jamais accusation pour les pauvres, jamais. C'est toujours quand il y a un petit billet à prendre. Et donc j'ai écrit après, qu'est-ce que j'ai écrit? Ouais, donc on célèbre la justice, ni plus ou moins, loin de ce combat fantasmé entre les hommes et les femmes, tu vois, sur un fond dans ce truc de fantasme, homme-femme, le combat. Hein. Non, on cherche juste la justice. Hein. Que ça soit un homme aussi qui fait des fausses accusations sur l'autre homme, on va réagir de la même manière. Et donc après, bon, j'ai fait une petite conclusion. À toi de te poser les bonnes questions. Pourquoi ça te laisse un goût amer? Qui t'a heurté?
As-tu un problème avec les hommes? Bon, c'est une petite blagoulette, une petite crotte de nez, c'est normal. Merci de ne pas généraliser. Je suis toujours surpris comment les féministes, parce que c'est une féministe qui a écrit, hein. Donc oui, c'est sûr qu'après première réaction, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça fait sur Bouscapé, ça? J'ai dit, bon, les gars, ils veulent retravailler leur image. Ok, pas de problème. J'ai dit, ok, le président de la République, tu l'invites, c'est normal. Moi, je me dis, on est d'accord. Invite au président, bon, c'est normal qu'il fait sa promotion. Hein. De toute façon, dès que tu as un invité, il vient pour faire sa promotion. Donc, moi là-dessus, j'ai dit pas de problème, les gars, bien joué. Vous avez quand même un média, on part de zéro, on invite le président, on est bon, tu vois. Mais là, là, redorer son image, je suis d'accord, mais là, quand même, oui, on est d'accord, mais faut pas, quand même. Donc, moi, ce qui me choque à chaque fois chez les féministes, c'est le manque de considération par rapport aux femmes qui mentent, en fait. Elles font pas tout soi, ça, quoi. Ça n'existe pas, quoi. Ça n'existe pas. Voilà. Donc, il faut toutes les croire. Si jamais on vivait aujourd'hui dans le... Parce qu'en fait, c'est le principe du « believe all women ». Voilà. Ça veut dire qu'en fait, là, si jamais c'était elle qui devait décider, eh ben, tout le monde serait en prison. À partir du moment où il y a une femme qui parle, qui dit « oui, prison ». Les gars, ils vont en prison, clac, clac. On ne discute pas, il n'y a pas de problème, comme si les femmes ne mentent pas. On parle des femmes qui mentent, on parle pas des victimes. Donc sinon t'es en train de te dire quoi, que les femmes qui mentent en vérité non, c'était pas des, en vérité c'était des victimes. Donc en fait c'est bien le principe de believe all women. Donc moi à chaque fois ça me rend ouf. Le concept, j'arrive même pas à comprendre comment les gens ils arrivent avec fierté à dire believe all women. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est des demi-dieux? Ça veut dire elles mentent pas? Les femmes ne mentent pas? Alors qu'on voit constamment, hein, les femmes ne mentent pas. Comment les gens même ils peuvent dire ça en fait? Tout le monde ment, hommes et femmes en fait. C'est des trucs basiques. Je n'arrive pas à croire comment les gens peuvent sortir des arguments comme ça, sans aucun fondement rationnel. Je suis impressionné en fait. Je ne sais pas jusqu'où on va comme ça là, le progrès, mais le dernier en date, ça, c'est aux États-Unis, la Carly Russell, t'as entendu parler de ça? C'est une meuf, elle a dit on l'a enlevé. Voilà. Elle a dit elle avait un bébé qui marchait tout nu, près de l'autoroute. Il marchait, elle avait une couche quand même. Une couche, pieds nus, il marchait comme ça. Et là, elle s'est dit mais qu'est-ce qui se passe? Elle s'est arrêtée pour l'autoroute, elle a appelé le 911. Un 911, tac, elle appelle la police, elle dit oui, il y a un bébé et tout, je sais pas quoi, machin. Et puis après, tac, la femme, elle a disparu. Et après, elle dit ouais, c'est fait enlever par un homme blanc et tout, parce que c'est une femme noire, donc c'est toujours la carte du racisme, hein, tu vois. Un homme blanc m'a enlevé. Donc les gars, ils ont pas compris, la police sont arrivés rapidement en plus. Quand ils ont entendu qu'elle a appelé, ils arrivaient 5 minutes après. Boum, boum, ils ont retrouvé ses affaires, pas de bébé, rien, elle a disparu. Tous les États-Unis sont en émoi. Qu'est-ce qui se passe? C'est une histoire de malade et tout. La meuf, elle revient 48 heures après. On la dépose chez elle. Tous les États-Unis sont là. Bon, bah, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ça va? T'as pas eu de problème? Et le bébé? Bah, en fait, c'est aussi aperçu qu'en fait, elle a menti depuis le début. Il n'y a jamais eu de bébé. On a vu dans la caméra, là, sur l'autoroute, qu'en fait, elle s'arrêtait pas alors qu'elle avait dit qu'elle s'arrêtait. Bon, bref, finalement. Elle a menti, normal. Ok? Et là, il n'y a jamais une ligne. Hein. Là, il n'y a pas de. Ouais, peut-être que le bénévole woman sur ce coup-là, c'est peut-être pas. Là, on n'entend personne, là, tu vois. C'est pareil, hein, quand Chris Brown. Oui, mais Chris Brown, quand même, Rihanna, oui, non, ça fait 15 ans. C'est plus justement, elles jouent là-dessus, les meufs, à chaque fois. Elles attaquent à chaque fois Chris Brown parce qu'elles disent, bon, il y a moyen, quand même, parce que ce qu'il a fait il y a 20 ans, il y a peut-être moyen que ça passe. Mais tout le temps, tous les 3 mois, les gars, ils se font accuser. Et là, j'entends jamais une ligne. Ouais, bénévole woman, peut-être que pour elle. Jamais, jamais, aucune responsabilité par rapport à ça. Dès qu'il y a une femme qui ment, on fait comme si. Bon, bah, c'est pas grave, ouais, mais quand même, la moitié, non, c'est fait, on fait comment? Donc là, elle se plaint dans l'article, oui, ça va être la chasse aux sorcières maintenant. Bah oui, c'est une question de justice, on a marre quand même qu'on t'accuse faussement. Il y en a marre quand même, non? En fait, on devrait rien dire, en fait, on devrait laisser comme ça. Ça, c'est le problème quand tu abuses trop de ton pouvoir. Parce qu'on a donné le pouvoir aux femmes et elles en ont abusé. Enfin, pas toutes, mais il y en a qui en ont abusé. Et c'est comme pour tout. Quand tu abuses trop de ton pouvoir, ben, à un moment donné, ben, ça se retourne contre toi. Et j'ai vu un commentaire qui disait, oui, ouais, c'est 10 voix de femmes contre un homme riche. Eh ben, on a vu qu'est-ce que ça a donné. Mais non, c'est pas voix contre voix, c'est preuve contre preuve, en fait. Non, c'est même pas, c'est preuve contre voix. Enfin, la vie, c'est pas comme ça. Ça veut dire qu'on devrait croire des femmes plus qu'un homme? Non, c'est pas comme ça. Ni l'un ni l'autre, en fait. C'est preuve contre preuve, en fait. Dans un monde, je me dis des fois, mais pourquoi les gens ne sont pas rationnels, en fait, logiques, tu vois. Réfléchissons ensemble. Même ce truc de toujours que ce soit les riches là qui sont accusés, tu vois. C'est toujours les riches qui sont accusés d'avoir essayé d'avoir la femme, tout ça, etc., etc.
Okay? Ça me paraît quand même fou que les hommes qui ont accès le plus facilement aux femmes soient eux qui soient toujours suspectés d'avoir fait une tentative. Je trouve ça ouf. Parce qu'en fait, plus tu as accès aux femmes, moins ça a de sens quand même que tu essayes de... Si la meuf, elle veut pas, ben tu pars, tu prends une autre. Tu vois ce que je veux dire? J'aurais plus tendance à croire des gars qui galèrent avec les meufs qu'ils fassent une tentative. Là, si jamais il y a une meuf qui accuse un gars, qui je vois que c'est un gars, il n'a pas l'habitude de gérer des meufs, tout ça, machin, je vais plus faire « Ah, toi les gars un peu chelous, là, ah, toi, oui !» Tu vois? Parce qu'un gars qui a déjà du succès avec les femmes, pourquoi il irait violer? Alors, on ne se dit pas que ça ne peut pas arriver, hein, mais pourquoi il irait, en fait? À mon humble niveau, je n'ai même pas le succès de ces gars-là qui sont super connus, ça n'aurait aucun sens. Pour moi, les gens qui pensent que c'est logique ou que c'est normal, c'est normal, ils ont le pouvoir, ils veulent tout, et je sais pas, ils veulent même ce qu'ils peuvent pas avoir. En général, à mon humble niveau déjà, ça n'aurait aucun sens. Une fille, elle veut pas, tu prends une autre, c'est tout. Donc en tout cas, c'est ma réflexion par rapport à ça. Tu me diras ce que tu en penses en commentaire par rapport à ce que je viens de dire. Mais c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ça. N'hésite pas à mettre un j'aime si t'as aimé cette vidéo, un j'aime pas. Jamais tu n'as pas aimé. Si tu veux aller plus loin avec moi, je te rappelle que tu as mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait les 20 000 euros en une semaine. C'est gratuit, c'est offert avant de créer un arnaque. Regarde quand même. Et les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux, il y a nous. Je fais ton camp.